Enda Kamara, Kalifuru Njai, Kalifuru Njai. Mana Owa Kedugu la, Kedugu. Mana min Kamara, Dayu Dawa Fembaran Owa Bubot. Aso Kedugu Dayu Sutai Bowaji, Erni. Olegi Sola Naji. Yakana Dawa Fembaran Dawa Fi, Yawna Fi Dawa Kolda. Fuki Fana Nanga Mani Tete Kolda Da. Mena diyor mu alhamdulillah kota natural ya ni ko fa idee deug ka ma len mena ka tiosar bi ki ma yegal ne affaire bi amna moy sunu docteur bi nek kursi jeju mo bolé ak fi ak ben waj mi wax jembe ni mo jog ma xale bi ma indi ko fi camara bind ko jël lepp ma ñibi jël sama numéro téléphone mune ma say bu ñu ñëwé da la xox nga ñu amul dara li ma laaj amul dara li ma laaj kala bi defal nañ ko defal bu rafet ci ñoko yëkëti indi fi li ma ñëwé fi ak léga amul dara lu ma manqué té ci ma nekki ma ak sama jabooti ma ngi sant am owa amaret ma ngi sant leen bu baax di leen gërëm bu yàgg dox day yàgg gis deug sonu nañu mais comme naa ne nag soo fekkee Sénégal nii lay demee day na comme ne alhamdulilah changement bu neex bu baax am na. Asalaamaaleykum maa ngi ñëpp ci seen maa nga Arna Sabane bu dëkk commune de Kousi di sama doom bi pour faj ko dan na la am boobu laa ko indee fii nii pour opération Mariama Sabane mi am 11 mois dan na la am bu mu ko amee yàlla def si ñu dëkk hôpital Kousi ku fa nekk kooku moo ko gis moo xam ne mu ne dina am ren ngante ne ñu ngi jël en charge pour ñu opéreel def si opération boobu yàlla def moom tamit vraiment dafa taxaw si loolu chaque fois di ñu woo di ñu informer di ñu dimbal ñu parce moom sax moom ma jël engagement di jël ambulance ñu indi ñu fii on est nombre de 5 personnes la ñu ñu jóge si commune de Kousi. Ayu dañ ko opéré ñu jël ko en charge ñu encadré ko vraiment sonn ñu dara amuñu ko fii nii ko jog garab ñoo ko jël di bu ko opéré ñun fay ñu dara dañ ko jog garab ñu jog ko lépp ñun kay ñuy fii nii di ko silver mais ñun koy def ñu dara di joxe ñu dara ñoom ñu jël en charge waa am rek ñu wax xanaa di leen gërëm di leen remercier bu baax si seen taxawaay di remercier tamit waa hôpital bi parce que di remercier tamit suñu ICP bu nekk Kousi vraiment moom tamit engagement bu ñu jël parce que ginnaaw yàlla moom tamit moo si taxaw ba ñu egg fii fu mu nar ay mooy accès de Diédiou. Après bu ñuy lancé moom mooy ñu jàppale comme ñuy def tee nii rek ñu mu gën a bëri fii nii parce que dañuy am problème boobu dañuy am gis ñoom tamit dañuy am problème faj mais dañuy am feebar mais duñu am moyen bu ngam tamit dañu mën a faj seen doom yi wala seen rakk yi wala seen yaay mais bu ñu amee sa partenaire yi ñoom tamit dañu taxaw si ñu. Loolu moom dañ ko sawu naa mën na soxna awa buña sama doom la indi boo xam ak dam ñu jar am 3 ans dëkk Diafar xam nga dafa am erni léegi bu mu amee erni biir bi da koy metti daal ma ma yóbbu ko ci poste bi ma ko yóbbee ko mu ma erni ñu boole ma dëkk kam na si laa ko indi après mu boole ko si kolo dañoo ñëw fii gars yi akkee ñu akkee akkee mu jaar yoon macha allah waa hôpital bi tam def nañ ci liggéey moom ci ay ndax bu ñu ñëwee dañuy accueillir après ñu dem def analyse xam nga ñu dalal ñu dem def analyse rek ñu pare dem daal lañ ñu kii dem lañ ko opéré. Ñu indi nañu waa OMREF ñoo def financement boobu vraiment ñu maa ngi gërëm ñooñu bu baax a baax maa ngi leen gërëm ndax tey bu ma naroon génnee xaalis pour faj ko ma am xaalis boobu nii mais grâce à ñoom moo tax affaire bi jaar yoon daal ñu ñoo fay ordonnance yi fay lépp daal lépp lañu fay dërëm génne ma ko ci mën na nekk ndax maa ngi nii fayuma dërëm te faj naa sama doom ndax waa OMREF ñoom ñoo jënd en charge yëpp vraiment maa ngi leen di remercier bu baax. Je m'appelle Mounglane Diébé je suis le responsable du service social de centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sidi. Bon, par rapport au partenariat qu'il y a entre
l'hôpital Amref, le ministère de la Santé, le professeur Gabriel. Bon, le professeur Gabriel, je pense que nous savons tous que c'est une sommité et c'est pas la première fois qu'il vient à Sédou. La plupart du temps, en tout cas, il vient avec Amref. Il est là à Sédou grâce à Amref. Donc, s'il faut compter le nombre de fois qu'il a intervenu ici, je pense que ça fait, en tout cas, au moins plus de 3 fois. Donc, il vient à Sédou. Il y a également l'hôpital, parce que là, que pour l'hôpital, avoir des cas qui sont là et qui ne sont pas pris en charge, c'est quand Amref vient. Donc, je pense que c'est toujours, en tout cas, c'est toujours bénéfique pour l'hôpital. Parce que de toutes les façons, c'est vrai que les enfants ne payent pas, mais il y a Amref qui paye derrière. Donc, ça constitue également des rentrées de qui, mais ce n'est pas ça vraiment l'objectif pour l'hôpital. C'est que l'objectif pour l'hôpital, c'est que les enfants là puissent, en tout cas, avoir des soins. Donc, au niveau du ministère également, je pense que c'est le partenariat Amref. Le ministère à travers un protocole certainement qui a été signé. Et je pense qu'Amref, en tout cas pour nous, est en train de faire d'excellentes choses au niveau de Sédou. Donc au niveau de Sédou, parce que nous sommes dans cette zone-là, mais nous savons également qu'Amref intervient à Kolda, Amref intervient peut-être ailleurs comme Tamba, mais peut-être pas encore à Jugenshor comme on l'a appris. Donc l'impact qu'il y a, c'est vraiment un impact positif, et très positif, que nous pouvons déterminer par rapport à ça. Pour ce cas-ci, nous avons recruté les enfants au Talta. Ça veut dire que c'est à travers des consultations, donc des enfants qui venaient. Mais c'est dans la préparation, peut-être. On n'a pas eu beaucoup de temps, en tout cas, pour vraiment préparer cette activité-là. Donc si c'est une activité, comme on l'a annoncé cette année, par exemple, qui va avoir lieu l'année prochaine, parce qu'on était resté presque 2 ans ou 3 ans, on n'a pas eu cette activité-là. Donc, nous avons toujours cru qu'Amref allait revenir. Et comme il est revenu. Donc, ce qu'il y a à améliorer, c'est peut-être le temps de préparation par rapport à cette activité-là. Le besoin à Sédou, même si on déterminait, je ne sais pas, pour ne pas être très qui, mais si, même si on déterminait, par exemple, 60 enfants pour Sédou, 50, en tout cas, on l'aurait. Là, peut-être, s'il y a une demande vraiment à formuler, c'est qu'on augmente un peu le nombre de bénéficiaires, donc voir jusqu'à 40-50, en tout cas, pour pouvoir en tout cas, faire bénéficier le plus possible les populations. Parce que nous sommes dans une zone, qu'on peut dire, défavorisée, par rapport, en tout cas, à ce que nous avons comme données nationales, parce que Sédou a été classé comme étant, en tout cas, l'une des régions les plus pauvres, si elle n'est pas la plus pauvre d'ailleurs. Donc ce qui fait que nous qui sommes dans le social, nous savons un peu comment les populations souffrent, en tout cas par rapport à l'accès aux soins. Donc, si Amref vient avec tout ce qu'elle apporte, cette organisation-là, en tout cas comme appui dans cet accès aux soins-là, c'est extrêmement important. Maintenant, peut-être la forte demande que nous avons à formuler, c'est d'augmenter le nombre, si c'est possible vraiment. Je suis le directeur du centre hospitalier régional Amref-Tidjane de Sédou. En partenariat avec Amref, le centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédou vient d'organiser un camp de chirurgie de 4 jours. Donc ce camp a été financé par Amref et l'objectif c'était de consulter 30 patients avec une prise en charge depuis la consultation du chirurgien jusqu'à l'hospitalisation, sans oublier la prise en charge des médicaments, tout ce qui est bilan, kit opératoire. Donc c'est une prise en charge gratuite sur l'ensemble du processus. Donc les activités ont démarré depuis le lundi et avec l'appui technique du professeur qui est là et nous avons pu depuis ce jour-là opérer en tout cas 18 patients pour le moment. Et nous pensons que d'ici la fin du camp, les 30 patients seront opérés. En tout cas, les 30 patients ont été identifiés. Et d'ici demain, nous allons prendre en charge tous ces patients-là. Les patients qui ont été identifiés au cours de la consultation de rutine du chirurgien. Donc, l'hôpital ne dispose pas encore de chirurgien pédiatre.
Et le chirurgien que nous avons, à chaque fois qu'il fait des consultations et qu'il identifie des patients qui doivent être opérés, au lieu de les envoyer à Dakar, nous les retenons ici, tant que l'urgence ne se fait pas ressentir. Donc nous les retenons et avec les partenaires, nous recherchons des partenaires pour pouvoir les prendre en charge sur place. Et c'est ce qui a fait que pour ce camp, nous avions déjà identifié des patients et avec l'appui du partenaire, ces patients ont été pris en charge au niveau local. Donc les opérations se sont bien passées. Le professeur va revenir sur ça. Le professeur Gabriel Ngom, je suis chirurgien pédiatre et je suis le responsable de l'équipe chirurgicale dépêchée par AMREF. Je pense qu'il y avait déjà une stratégie avancée avec le chirurgien qui est au niveau de l'hôpital de Sédiou qui a pu recruter les cas pour nous permettre d'opérer les différents patients qui ont été recrutés selon bien sûr les recommandations de AMREF, à savoir un objectif de 30 malades à opérer. Normalement, c'est des enfants de 1 an à 14 ans qui ont été prévus dans ce camp comme dans celui de Kolda. Ils ont diverses pathologies qui touchent les différents organes, mais les pathologies prédominantes sont essentiellement la pathologie pariétale, c'est-à-dire les hernies. Donc dans la zone, il y a beaucoup de hernies et c'est ce que nous avons opéré en priorité. En tout cas, AMREF a beaucoup fait dans le domaine humanitaire parce que nous collaborons avec l'ONG AMREF depuis plusieurs années. Et nous avons fait différents camps à Sédiou, à Kolda, même à Tambacounda. Et à chaque fois, les camps se sont déroulés très bien. Et c'est une bonne chose aussi pour les populations locales de bénéficier de ce que les populations qui se trouvent dans la capitale bénéficient. Cela permet en tout cas de concourir à l'égalité des chances au niveau de la santé. Disons qu'à Kolda déjà, on avait dépassé les objectifs. Donc il nous restait peut-être à compléter 25 enfants à Sédiou. Mais là, je pense que nous allons arriver au bas mot vers 70 patients. Oui, nous allons arriver vers 70 patients. Donc, on a 10 patients de plus par rapport à l'objectif qui a été fixé au départ. Manson Touré, je suis le project manager de ce programme. Project manager, ça veut dire le chargé de programme. Et je suis chargé de programme au sein de l'ONG AMREF et je pilote ce programme pour les deux régions de la Casamance, si bien qu'il y en a trois régions, mais le projet concerne deux régions pour le moment, c'est Sédiou et Kolda. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner d'abord la population de Sédiou, chose qui avait été faite déjà avec la région de Kolda. Et à travers ce projet, il s'agit pour nous de venir contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants, de la naissance à l'âge de 14 ans. Et cela également par une décentralisation des soins de santé au niveau des écoles, mais également au niveau des structures de santé les plus inférieures, comme les postes de santé. Le choix de Sédiou est indiqué par des indicateurs de santé. Parce que quand un programme arrive dans une région, c'est parce que tout simplement les indicateurs de santé l'ont déterminé. Et nous avons su qu'à Sédiou, il y a de véritables problèmes de santé, tout comme à Kolda, et ainsi nous sommes venus à Sédiou. Également, la région de Sédiou est une région privilégiée de l'ONG AMREF Health Africa, puisque depuis 2011, nous sommes en train d'intervenir à Sédiou, d'abord par des programmes qui sont des programmes ponctuels dans notre jargon, mais également par beaucoup de projets. Et des projets, ce sont par divers projets que nous avons en tout cas déroulé nos activités à Sédiou. Oui, aux attentes, je pense que mes prédécesseurs viennent de le dire, c'est un camp qui doit prendre en charge 60 personnes. Mais je dois dire que nous sommes tout heureux. Parce que quand le professeur Gabriel lui-même nous dit qu'au lieu de 60, ils sont en train d'atteindre les 70 enfants. Donc je pense que nous avons atteint les objectifs dans ce sens-là. En tout cas, c'est notre souhait fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là. Parce que depuis 2016, nous sommes en train d'organiser des camps de chirurgie à Sédiou. Depuis 2016, et cela presque toutes les années. Sinon, qu'il y a deux ans qu'on n'en a pas organisé parce que le projet était arrivé à terme et que le projet est renouvelé. Mais ce projet-ci doit faire trois ans avec une possibilité même de renouvellement. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est en train de faire ce camp-là, mais l'année prochaine également, on fera un camp et nous allons voir
ensemble avec l'EPS2 de Sédhiou, mais également ensemble avec nos partenaires, comment pérenniser ce camp-là, parce que nous savons que c'est une demande très forte de la population de Sédhiou. Le coût du projet, c'est 1 609 800 $, un peu moins d'un milliard en CFA. Voilà, mais ce coût est réparti dans différentes activités. Maintenant, pour le camp en tant que tel, que nous venons de faire dans les deux régions de Sédhiou et Kolda, nous avons fait un coût de 18 millions pour pouvoir prendre en charge ce camp-là. Le bailleur, c'est Astellas Global Health Foundation. C'est une fondation qui se trouve aux États-Unis. Et Amref a des bureaux un peu partout en Occident. Et ces fonds, nous l'avons eu par notre bureau qui se trouve aux États-Unis à New York. C'est eux également qui nous ont affecté ces fonds que nous sommes en train de dérouler. Oui, ça se passe très bien parce que le bailleur, ce n'est pas le tout premier projet qu'ils nous ont financé. Si nous prenons le cas de notre bureau des États-Unis, c'est eux qui coptent les fonds et qui nous envoient les fonds et que nous déroulons. Ça veut dire que ça se passe bien parce qu'ils ne sont pas seulement des partenaires, mais également des collègues. Nous remercions pour cela le ministère de la Santé, mais également nous remercions l'EPS2 de Sédhiou à travers son directeur. Et je dois dire que c'est un partenariat qui est véritablement très fluide. En réalité, c'est eux-mêmes qui portent le camp, c'est eux qui organisent le camp. Nous venons juste qu'accompagner.